أهلا وسهلا بكم تلاميذ بكالوريا الاقتصاد والتصرف في فيديو جديد. دونك إن شاء الله على قريب نواصل معكم في الإكسبليكاسيون تاع لي سيتوياسيون. أتخي بيانتو إن شاء الله نبت لكم الإكسبليكاسيون تاع لي سيتوياسيون 11 ونكمل معكم في لي زيفاليواسيون. مي بويسك عندكم أن كيو سي إم نورمالمون في دوفوار دو كونترول، حبيت نخدم ان بتي كو سي ان نفسر لكم شويه، معناها باش ناخذوا كلكو زيكزامبل تنجموا تلقاهم قدامكم في الكو سي ان. دونك سي ان كو سي ان دو ريفيزيون ان ميكرو ايكونومي. حطيت ميكرو ايكونومي في بالي معناتها كو سي ان من الفاك هذايا، سي بور لا بكالوريا بيان سور كو سي ان ريفيزيون اون ايكونومي. دونك نوفو ريجيم فوالا. دونك première hypothèse, donc la théorie du comportement du consommateur permet aux entreprises. Donc, je trouve l'utilité de la théorie du comportement du consommateur. Donc, il y a quatre propositions. Donc, est-ce que هنا كي باش نحكيو على تيوري دو كومبورتمون دو كونسوماتور دو بري ماكسيموم كو لي كونسوماتور سون بري باي بور لي بيان سيرفيس كو لونتربريز فون prix maximum? Non, c'est pas ça. La façon dont les consommateurs allouent leur temps entre travail et activité de consommation, c'est pas notre objectif, le temps entre travail et activité de consommation. La façon dont les consommateurs opèrent systématiquement des choix rationnels en trois étapes distinctes, peut-être le choix rationnel, la manière dont les variations de revenus et des prix affectent la demande de biens et services. Vous avez déjà le chapitre d'un consommateur. تقرأ بيان سور في لي فاريسيون اللي قاعدين يصيروا في الريفينو وفي الـ بري بيان سور. دونك الريبونس اكزاكت باش تكون جو في سيليكسيوني لا ريبونس اكزاكت. دونك بيتي دي هذه هي الريبونس صحيحة. فوالا. دوزيامون لي تروا زيبوتيز دو باز كو دواف ريسبكتي لي بريفيرونس دو كونسوماتور سون. دونك الكونسوماتور شنو ما معناتها لي زانديس ولا لي زيبوتيز اللي يلزم يحترمهم هنا كي باش يجي معناتها باش يعمل ان شوا، معناها il va préférer un panier à un autre. Donc est-ce que la première, les consommateurs font face à des contraintes budgétaires, ils préfèrent bien les services les moins chers et ne sont jamais satisfaits de leur niveau de consommation? Non, non, je crois pas qu'elle connaît rien. Donc il ne préfère pas معناتها بصفه عامه moins cher. ينجم il préfère حاجه moins cher ou le plus cher معناتها selon le budget نتاعو. ما تنجمش تكون réponse linéaire. Les consommateurs peuvent comparer et classer selon leur préférence tous les biens, les paniers de biens disponibles sur le marché. Leurs préférences sont transitives et les consommateurs préfèrent toujours disposer d'un bien en plus d'un disposer d'un bien en plus grande quantité. Ce qui est sûr, on a besoin de la réponse, puisque le consommateur, bien sûr, manette, il choisit, comme on dit, le consommateur qui est sur le marché ou la chose, il choisit le bien là, le bien là, selon bien sûr le budget, selon l'utilité, le chantier, le bien là, mais il choisit un bien qui a un maximal niveau de satisfaction en fonction des prix et en fonction du budget, bien sûr. هذا نورمالمون البي باش تكون صحيحه. لي كونسوماتور نو بريم با توجور دي ديسيسيون داشا راسيونيل، اي بريفير سوفون ديسبوزي لي كونتيتي مواندر دان بيان، اي سون انكويرون دون لور بريفيرونس بور سيت ان باني دو بيان. هذه ماهيش صحيحه. لي كونسوماتور سون انكابابل دو كومباري دو كلاسي لي باني كونتونون دي بيان ديفيرون، لور بريفيرونس نو سون با ترانزيتيف، اي لي كونسوماتور بريفير توجور ديسبوزي دان بيان او بلي غروند كونتيتي. نو سي با سا، لو كونسوماتور اي ابت ا كومباري دو كلاسي لي باني دو بيان différent bien sûr. Donc هنا بالنسبة لل دو باش تكون ال بي بي، puisque le consommateur il est capable ou il est apte à comparer et classer les biens selon l'ordre des préférences bien sûr. Ça, la courbe d'indifférence représente ان هنا فراغ باش نعملو، ومن بعد قالنا سا بونت ايغال ان فراغ زاد باش نعملو. دونك نشوفو لي بروبوزيسيون، نشوفو شنو نجمو نختارو هنا. Donc, représente les différentes combinaisons de des biens qui procurent le même niveau de satisfaction. Peut-être que nous avons dit que c'est ça. En fait, différence, définition de la courbe d'indifférence, et bien sûr, c'est l'ensemble des combinaisons qui procurent au consommateur
le même niveau de satisfaction. Normalement, battre ou z et sa pente égale, le pente toujours négative, pente d'alcool d'indifférence, tkoun toujours négatif, dima tkoun égale le taux marginal de substitution, mais tkoun négatif. C'est quoi la pente? Il y a moins variation grecque sur variation de x, bien sûr. Et d'ailleurs, la pente, normalement, le les différentes combinaisons de biens et services que le consommateur peut acheter. Au taux marginal de substitution, mais différentes combinaisons, ils ont peut-être calculé le même niveau de satisfaction. Et d'un type, je t'amène une définition, le CI, et la courbe d'indifférence, on met peut-être le ce niveau de satisfaction, et on C'est ces différentes combinaisons de deux biens qui procurent le même niveau de satisfaction. Donc, déjà, on peut le A ou le C. Mais je n'ai rien à au prix d'un bien par rapport à l'autre. Au prix d'un bien, par rapport à notre. Non, c'est pas ça. Normalement, on coule au l'inverse. L'inverse d'un bien, l'inverse du prix des biens, l'inverse du prix des biens. Donc, l'année, bien sûr, l'inverse, l'axe, maintenant, qui m'a coûté comme décrit, moins variation de Y sur variation de X, bien sûr. Donc, c'est les différentes combinaisons de biens et services que le consommateur peut acheter. Non, ils ont un même niveau de satisfaction. Donc, il y a une réponse sur l'année, c'est ils ont un même niveau de satisfaction ou qu'on le pente toujours égal le taux marginal de substitution. Voilà. C'est le troisième mot. Quatrièmement, dans la théorie de comportement du consommateur, le taux marginal de substitution TMS, donc en fait la définition de TMS. Donc TMS, ouais, c'est un montant d'un bien qu'on doit acheter un panier de biens pour maintenir la satisfaction. Alors, je ne sais pas un montant TMS, c'est une quantité de biens substituable. Alors, on substitue une quantité d'un bien par une quantité de l'autre bien. Une quantité d'un bien qu'on doit substituer à un autre pour maintenir la satisfaction constante le long d'une courbe d'indifférence. Non, on ne maintient pas la satisfaction constante. Donc, le taux auquel la satisfaction décroît quand on réduit la consommation d'un bien. Non, c'est pas ça. Le taux auquel la satisfaction, c'est le taux auquel la satisfaction augmente quand on accroît la consommation d'un bien, bien sûr. Donc, réponse, petit, bien sûr, petit d, c'est ça la réponse correcte. Donc, le taux, c'est le taux auquel la satisfaction de l'individu augmente quand on accroît la consommation d'un bien. Donc, lorsque la consommation, bien sûr, la satisfaction en tant qu'individu, maintenir la satisfaction constante, c'est vrai que la première partie, c'est la quantité d'un bien qu'on doit le substituer, les deux biens substituables. Maintenir la satisfaction constante, non, c'est pas la satisfaction. On garde le même niveau de satisfaction, bien sûr. Donc, la réponse exacte, c'est petit d. Hein? On passe maintenant, cinquièmement, les contraintes budgétaires. Cinquièmement, maintenant, les contraintes budgétaires. Les contraintes budgétaires. Peuvent facilement être contournés en empruntant des fonds pour acheter davantage de biens et services. Non, c'est pas ça. Peuvent être contournés si les consommateurs prennent des décisions d'achat rationnelles. Non. Limite, bien sûr. On a le contrat budgétaire, qui est R égale P du XX plus P du Y. Achetons le bien sûr, le terme exact. Donc, limite la quantité de biens et services que les consommateurs peuvent acheter au cours d'une période donnée. Qui fait le contrat budgétaire, n'a bien sûr une limite des paniers de consommation. C'est une limite des paniers de consommation. Une contrainte budgétaire, un revenu à confier, bien sûr, que le consommateur peut acheter. Compte tenu de son budget, la quantité consommée, donc c'est sûr,
بي سي وين نرى كلمة ليميت في الكونترات بيجيتال هذيك هي تكون هي الصحيحة. Sixièmement, la droite de budget illustre toutes les combinaisons de biens XY qui peuvent être achetés avec un revenu donné dans l'équation égale R, P de XX plus P de YY, P de X, P de Y sont le prix des biens ou R revenu. Donc, on a la droite. On a la droite budgétaire. On a la droite budgétaire, il faut qu'on dise Y égale. Déjà, on a déjà la possibilité de mettre la droite budgétaire. Toujours tkoun y égale r sur p de y moins p de x, x sur p de y, d'où p de x et p de y sont le prix des biens, et r représente le revenu. Avec r égale p de x, x plus p de y, ça a gardé une tour p ou c, a égale ta z à la khatra, juste c'est une contrainte budgétaire, nous a demandé ici la droite budgétaire, donc droite de tkoun y en fonction de x qui mène. Voilà. Lorsque le prix d'un bien augmente et que le prix de l'autre bien ainsi que le revenu sont maintenus constants, la droite du budget. Et de quel z somme d'un bien, ou le prix d'un bien l'air ou le revenu, pas de qui m'a. Donc, je ne crois pas qu'on a normalement trois hypothèses. Donc, la droite du budget, je n'ai que la droite du budget, effectue une rotation de telle sorte que le point d'intersection entre la droite du budget et l'axe associé au bien dont le prix a augmenté est plus éloigné à l'origine. Donc, se déplace parallèlement à la droite du budget. Normalement, elle se déplace parallèlement à la droite du budget. Dime et Deken. Le prix d'un bien hésite, le prix l'air le revenu constant, donc elle se déplace à droite du budget, mais je me trouve, est-ce que Manetha, je suis proche ou là, elle s'éloigne à l'origine, effectue une rotation de telle sorte que le point d'intersection entre la droite du budget et l'axe associé au bien, dont le prix a augmenté, plus proche de l'origine, toujours pour que le prix d'un bien augmente. Et le prix de l'autre bien ainsi que le revenu sont maintenus constants, on doit respecter deux conditions. Donc, la droite, elle se déplace parallèlement à la droite du budget et elle s'éloigne de l'origine. Le B ou C, l'on a dit que c'est rare totalement, le déplacement à la droite, elle s'éloigne de l'origine, n'est pas n'augmente le prix augmenté est plus proche de l'origine, non, elle s'éloigne de l'origine, bien sûr. Voilà. Ici, bien sûr, dans ce cas, par exemple, il y a une femme a une diminution de revenus, il y a une femme une diminution de revenus. Toi, tout simplement, n'a que le déplacement de la droite vers la gauche, bien sûr. On déplace la courbe à gauche. Axe, le déplacement à droite. Voilà. Mais, huitièmement, donc, quel est l'impact d'une augmentation en proportion égale des prix? Quel est l'impact d'une augmentation en proportion égale des prix et des revenus sur la droite de budget. Donc, je nomme les conséquences ou les تأثيرات. Et dès qu'un intip se zide, بنفس القيمة في le prix, في le revenu. مثلاً عندك سوم تاع produit 5000 و revenu تاع 30 دينار. زيد مثلاً 5000 في revenu تاعك و زيد مثلاً 5000 في le bien هذاك. Donc, il n'y aura normalement, هنا في le 8e, on n'aura aucun changement. Normalement, aucun, la droite de budget ne déplace pas et ne tourne pas. Pourquoi ici il y a un déplacement de la droite budgétaire? Il y a une variation au niveau des prix ou bien au niveau de revenus. Donc, il y a une augmentation de ZOUS. Automatiquement, aucun changement ne sera fait. Bien sûr, l'impact est incertain, ce n'est pas ça. Aucun changement. Donc, la droite de budget s'éloigne, il s'éloigne de l'origine. La manette à droite, la à gauche, il y a aucun impact, bien sûr, خاطر نفس l'augmentation au niveau des prix et au niveau de revenus. Voilà. Mais, étant donné les contraintes budgétaires de consommateurs, la maximisation de la satisfaction se situe. Maximisation
معناتها باش نحكيو عن النيفو اوبتيمال دو ساتيسفاكسيون هنا. دونك سور ان بوان كي سور لا دروات دو بيدجي سور لا كورب دانديفيرونس لا بلو بروش دو لوريجين، سور ان بوان كي سور لا دروات دو بيدجي اي سور لا كورب دانديفيرونس لا بلو ايلواني دونك دو لوريجين، سور ان بوان كي سور لا كورب دانديفيرونس لا بلو ايلواني دو لوريجين، سور ان بوان سور لا كورب دانديفيرونس لا بلو بروش دو لوريجين بيان سور. Donc, c'est bien sûr, c'est B to B, toujours la pointe qui est sur la droite du budget, sur la courbe d'indifférence, est la plus éloignée de l'origine, bien sûr. Le niveau d'utilité, toujours, s'éloigne à l'origine. Voilà. Dixièmement, maintenant, la pente de la droite du budget, lorsque le bien I, le bien Y est sur l'axe des ordonnées, l'ordonnée, فوقاني ولا بسيس هو اللوطاني دونك اي كونستان ايغال احنا عندنا دو بون خذوهم معناتها مسلمين ديريكت كيف يقول لك اعطيني البونت نتاع الكور دانديفيرونس توجور البونت نتاع الكور دانديفيرونس هي موا فارياسيون غريك سور فارياسيون دو اكس والبونت نتاع شو اسمها التروات دو بيجي هي موا فارياسيون غريك سور فارياسيون دو اكس مي احنا نقراو الاقتراحات بالك شيء بالك شي تطلع غلط على حاجة هنا دونك لوبوزي دي تي ام اس دو كونسوماتور سي با لوبوزي دي تي ام اس دو كونسوماتور خاطر اون بارل هنا سور اون فارياسيون البونت ديما تكون فيها موجودة فيها فارياسيون بيان سور لوبوزي دو رابور لوبوزي دو رابور دي بري دي دو بيان سي با لوبوزي جملة هنا في البونت لوبوزي de nombre d'unités de x qui doivent être sacrifiées pour pouvoir acheter une unité supplémentaire de y. Donc, si on parle du pont de nos droits budgétaires, ils ont parlé de la relation de deux biens substituables. Donc, on va substituer une unité, مثلاً, de y en contrepartie d'une unité supplémentaire, مثلاً, de x. Voilà l'axe. On va substituer une unité de x en contrepartie d'une unité supplémentaire de y. Donc, toujours le pont de la droite budgétaire est moins variation y sur variation x, l'opposé du rapport des prix des deux biens. L'opposé. Ah, oui, peut-être il y a l'opposé. الريبونس الثانية والريبونس الثالثة دونك باش نختاروا دي هنا باش نختاروا سامحوني هنا باش نختاروا دي اللي فيها ثانية وثالثة لوبوزي دو رابور دي بري رابور دي بري دي بيان خاطر هو البري دي بيان بي دو اكس سور بي دو غريك اذا كان انت باش تعكس البري دي بيان باش تولي بالموا مي الاغلبية الفورميل جينيرال نتاع البونت هي موا فاريسيون غريك سور فاريسيون اكس دونك ريبونس باش تكون دي هي الثانية والثالثة فوالا شبين هنا قاعد نقرا لكم مانيش قاعد نحط فيهم مانيش قاعد نلون فيهم هي هذه فوالا هذه بالنسبة للنوف هي بي تي بي قلنا البلو سيلواني دو لوريجين حداش البوان او بوان دو لا كور دانديفيرونس اي تانجونت ولا دروات دو بيجي او بوان دو لا كور دانديفيرونس اي تانجونت على دروات دو بيجي دونك لو تو مارجينال دو سوبستيتيسيون اي انفيريور او رابور دي بري دو بيان توجور كي نقولو ان بوان دو تانجونس انتر لا كور دانديفيرونس اي لا دروات دو بيجي نحكيو على ليكيليبر دو كونسوماتور اللي هو لو تي ام اس ايغال rapport des prix des biens ou la satisfaction du consommateur est maximale. Je vais vous dire que vous avez une tangence entre deux courbes, la courbe d'indifférence, le contrat budgétaire ou la droite de budget, n'est à la condition d'équilibre du consommateur, bien sûr. 12. L'utilité marginale mesure. Je trouve l'utilité باش نشوفوا براتيكمون الفونكسيون تاع لوتيليتي مارجينال هنا ساتيسفاكسيون سوبليمونتير غاني سويت على كرواسمون دون اون ميم بروبورسيون دو لا كونتيتي كونسومي دو تو لي بيان
اي سيرفيس لا ساتيسفاكسيون بيردو، ما تنجمش تكون ساتيسفاكسيون بيردو، خاطر احنا كي باش نحكيو على اتيليتي مارجينال لازم نحكيو على ساتيسفاكسيون سوبليمونتير، يعني باش تكون الاولانيه الا والا باش تكون الدي لهنا. La satisfaction supplémentaire gagnée suite à la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien, mais tu n'as dans une même proportion l'utilité supplémentaire. Toujours l'utilité marginale, c'est l'utilité qu'une personne obtient lors de consommation d'une unité supplémentaire d'un bien. Il y a pratiquement définition ou d'un service en gardant la consommation de tous les autres biens et services constants. Donc, mettre qu'on gagne des à l'échelle A, à la fois les mêmes proportions. À la de consommation d'une unité supplémentaire d'un bien. Voilà. B. Dernièrement, thèse dans la théorie du comportement du consommateur, le principe d'égalisation marginale affirme que l'utilité est maximale lorsque le consommateur a égalisé l'utilité marginale par euro dépensé par tous les biens. Dans le contexte de l'utilité égalisation marginale, il nous a donné une définition, nous avons dit la mot égaliser. Égaliser ou égalité égale. Donc, je trouve normalement le la seconde, l'utilité maximale lorsque le consommateur a égalisé les utilités marginales par tous les biens. L'utilité est maximale lorsque le consommateur a consommé la même quantité de chaque bien dans le panier de biens. Non, ce n'est pas ça. Donc, le ratio des biens, mais il y a donc l'autre, le deuxième, je vois que je me trouve ici. Ici, le fait que l'autre, le deuxième, il a égalisé lorsque le consommateur a égalisé l'utilité marginale par euro dépensé. Je vais faire une égalité. Bien sûr, je vais faire l'utilité marginale. L'utilité marginale, en fait, on a d'accord comme les conditions d'équilibre du consommateur, TMS égale P de X sur P de Y, bien sûr. Donc, un type d'égalité, bien, TMS, l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y, égale rapport des prix, égale P de X sur P de Y. Vous faites égaliser les utilités marginales pour tous les biens. Égaliser le chenou, l'utilité marginale, égaliser par bien sûr par euro l'homme le flou par le prix par euro ou la par dollar ou la par dinar tunisien ou la par riel li ou le monde qu'on a le mané psi fam mais d'accord les nerfs relation à l'équilibre lié TMS égale P de X sur P de Y donc je trouve normalement la réponse l'oula est toujours TMS égale P de X sur P de Y. Et voilà, j'espère que c'est clair.